Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de février 2021. Donc c'est une guidance générale. Donc vous ne trouverez peut-être pas tous des messages dans ce tirage. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Peut-être que vous trouverez des messages et que ça vous le parlera davantage. Si rien ne vous parle ce mois-ci, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message à recevoir ce mois-ci et que vous en aurez peut-être plus tard. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Comme ça, à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, que ce soit pour les mensuels ou les hebdomadaires, vous recevrez du coup la petite notification comme quoi la vidéo est en ligne. Voilà, et je vais commencer tout de suite pour vous les balances pour février 2021 par un message du tarot des anges. Donc balance, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quel est le message pour février 2021, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop, là. Ouais, il y en a trop. Trop encore. Balance. Et bien, celle-là a envie de sortir. On va prendre celle-là. Alors, la grande prêtresse. Donc déjà, j'ai le signe 2, donc la dualité peut-être aussi. Hein. Ce qui correspond très fortement aussi à la balance, hein, toujours à la recherche de l'équilibre. Hein. Fiez-vous à votre intuition, on vous dit, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Bon, il semblerait pour vous, les balances en ce mois de février 2021, qu'il va y avoir peut-être des décisions à prendre. Peut-être, voilà, la dualité, le 2, le côté j'y vais pas, le besoin de peser le pour et le contre. Et on vous dit qu'il va peut-être falloir être patient parce qu'il va peut-être falloir réfléchir vraiment aux choses que vous voulez, au but que vous voulez atteindre aussi peut-être en ce mois de février 2021 avant de vous lancer tout simplement dans ce projet entièrement. Hein. On vous dit peut-être, voilà, que j'ai un livre, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des connaissances à acquérir peut-être avant de pouvoir aller là où vous voulez aller, ou alors que vous n'avez peut-être pas non plus connaissance encore de tous les éléments dans la situation où vous êtes et qu'il va peut-être falloir être un petit peu patient pour qu'elles vous soient enfin dévoilées. Et quand elles vous sont, seront dévoilées, vous pourrez tout simplement avoir toutes les cartes en main et pouvoir aller avancer en fait dans votre vie. Hein. Et on vous dit, fiez-vous à votre intuition pour ceux qui vraiment ressentent ce côté intuitif. On vous dit qu'elle ne vous trompe pas, hein, que vous ressentez vraiment les bonnes choses. Hein. Alors, je vais aller avec les rêves enchantés du petit Lenormand pour vous les balances pour février 2021. Quels sont les messages pour les balances, signe lunaire, signe solaire, ascendant pour février 2021, s'il vous plaît. Oula. Bon, il y a la bonne étoile, hein. Peut-être pour certains qui seraient à leur compte, on vous dit qu'il y a peut-être une certaine reconnaissance publique de votre métier. Peut-être aussi qu'il y a du monde qui veille sur vous, tout simplement. Alors, balance, février 2021. Balance. Hop, et encore une. Alors, on me parle d'argent ici, peut-être. On me parle aussi peut-être de hiérarchie, de patron peut-être un peu stressé. Peut-être que vous êtes patron ou patronne, hein, de votre entreprise et on vous dit que ça prend peut-être un petit peu la tête. Il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être un petit peu. Pour d'autres, les balances, vous êtes peut-être un peu tracassé par vos finances, tout simplement aussi. Ça vous bloque parce que, en fait, pour certains, les choses sont bloquées, en fait.
Peut-être qu'il y a un côté financier qui est bloqué, ça vous stresse. Peut-être que au niveau du travail, c'est bloqué aussi, donc ça vous stresse aussi si vous avez votre entreprise à gérer et que vous ne pouvez peut-être pas travailler. À voir hein, ce qui vous parle. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va y avoir peut-être des décisions à prendre, mais ne pas les prendre trop hâtivement. En tout cas, on vous dit que... alors, soit il va y avoir un changement de direction, tout simplement, pour vous les balances. Donc, changement de direction, ah oui, ça peut être aussi professionnel. Hein, peut-être que votre direction va changer, tout simplement. Changement de lieu géographique aussi, ça peut être ça pour vous les balances aussi. Hein. Ouais, alors on me parle vraiment aussi ici. Oh, il y a vraiment beaucoup de discussions hein, chez vous les balances. Hein. Alors, on me parle ici peut-être de travail indépendant. Alors, soit avec une collègue ou un collègue. Hein, voilà, ce sont des énergies générales, donc ce n'est pas forcément une femme. Et il y a vraiment beaucoup de discussions dans ce travail-là, peut-être indépendant, parce que c'est peut-être un peu conflictuel pour certains. Mais on vous dit que les choses vont aller dans la bonne direction et que vous allez vraiment éprouver de la joie après. Parce que les masques vont tomber aussi pour certains balances. Hein. Pour d'autres, s'il s'agit de finances, de liquidités peut-être aussi, on vous dit que les choses vont aller dans la bonne direction parce qu'on va en discuter tout simplement et les choses vont s'arranger. Il y a peut-être aussi une certaine reconnaissance, voilà ce que je disais tout à l'heure, publique de votre travail. Si vous êtes par exemple indépendant, que vous avez un cabinet ou autre, et que vous avez besoin de faire votre clientèle, on vous dit que les choses vont bien évoluer, que vous allez dans la bonne direction, vous allez attirer à nouveau du monde, parce qu'il va peut-être y avoir du bouche à oreille. Hein. Et peut-être que ça va se faire assez rapidement aussi. Pour d'autres encore, on me dit peut-être, alors c'est un masque certes, mais ça me fait penser aussi peut-être à des œillères parce que j'ai le regard qui regarde devant, mais j'ai aussi le masque qui est de chaque côté. C'est un peu comme si on avait des œillères. Alors on vous dit peut-être les balances ici aussi qu'il faut peut-être laisser tomber les œillères pour regarder où vous devez aller et pour vraiment voir la bonne direction, tout simplement parce qu'elle va vous apporter vraiment une bonne... de bonnes nouvelles, qu'elle va vous apporter de la joie. Hein. On parle aussi ici, peut-être aussi avec la femme, de tout simplement un côté très émotionnel. Hein. Il y a peut-être eu de grosses émotions pour vous les balances et on vous dit que vous allez peut-être réussir à changer de direction dans vos émotions. Peut-être que c'était des émotions un petit peu négatives jusqu'à présent et on vous dit que ça va changer de direction et que ça va venir vers du positif. Donc les émotions vont pouvoir un peu s'améliorer pour vous aussi les balances. Pour certains, certes, il risque peut-être d'y avoir en ce mois de février 2021 des discussions un petit peu conflictuelles peut-être aussi. Hein. Peut-être des discussions conflictuelles aussi avec une femme ou avec un homme qui est plus dans le côté émotion. Peut-être quelqu'un qui se met très facilement en colère ou qui s'attriste très vite. Voilà, enfin, il va y avoir vraiment des discussions peut-être un petit peu conflictuelles. Mais on vous dit que ces discussions vont peut-être vous amener dans une direction plus joyeuse. Donc, à voir si ça vous parle. À vous les balances. Hein. Alors, je vais aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Pour vous les balances, février 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? Balance, en voilà un. Donc, signe lunaire, signe solaire, ascendant. En voilà deux.
balance. Bon, alors, il va y avoir de la correspondance pour vous, les balances. Donc, soit c'est vous qui allez envoyer des mails, des coups de téléphone, des courriers, soit c'est vous qui allez tout simplement recevoir des nouvelles par le biais du téléphone, du mail ou de courrier. Hein. Alors, c'est peut-être certains vont recevoir des messages d'une personne qui habite loin de vous, qui peut être aussi dans un autre pays que vous. Peut-être qu'il va y avoir aussi une prise de distance par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Alors, il y a peut-être voilà, des messages, des courriers, des mails que vous allez recevoir, vous, les balances, de personnes proches, des amis, de la famille aussi. Hein, c'est pas forcément que de l'amitié. Des personnes proches, des personnes auxquelles vous tenez et qui habitent loin de vous. Hein. Pour d'autres, il va y avoir des signatures de contrats à venir en ce mois de février 2020. Peut-être que vous allez les apprendre, vous allez peut-être apprendre cela par correspondance, tout simplement. Peut-être que certains vont devoir aller peut-être travailler en signant un contrat, peut-être que vous allez peut-être devoir aller travailler sur un lieu qui est plus loin que chez vous, en fait. Hein. Il va y avoir une certaine distance. Hein. Peut-être que pour un contrat, certains vont devoir peut-être s'éloigner malheureusement de leurs amis. J'entends uniquement physique, hein, géographique, hein, pas s'éloigner tout simplement non plus au point de vue des sentiments, mais peut-être que certains balances vont devoir peut-être s'éloigner tout simplement en fait de leurs amis pour pouvoir, parce qu'ils auront eu une proposition de contrat, parce qu'ils auront eu un contrat un contrat d'embauche, un nouveau travail, mais qui n'est pas dans leur région. D'autres encore, peut-être, pourraient signer des contrats ou des projets en commun, en tout cas avec des amis aussi, hein, avec des personnes proches. Hein, il y a peut-être des signatures qui vont se faire aussi avec des personnes proches de vous. Bon, en tout cas, il y a des choses qui sont sûres pour vous. Alors, soit aussi certains balances vont apprendre des grossesses, tout simplement, parce que j'ai fécondité la sexualité et la clairvoyance. Donc, on va enfin y voir plus clair. Ça va être éclairé, en fait, pour ce mois de février 2021. Et pour d'autres, la sexualité aussi, c'est la carte des choses que l'on désire très fortement. Donc, peut-être que vous souhaitez voir très clair sur une situation et on vous dit que c'est en cours, on vient de prendre racine dans cette situation et les choses vont enfin s'éclairer pour vous. Hein. J'ai le miroir magnétique derrière, donc c'est que vous allez vraiment attirer à vous ce que vous souhaitez, les choses que vous souhaitez le plus. Alors, avec l'oracle G maintenant, que nous dit-on pour les balances? Oui, il y a vraiment des messages qui arrivent pour vous, les balances, en ce mois de février. Hein. Alors, balance, février 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Quels sont les messages? Ok, alors j'ai des nouvelles, des messages, des mails, des correspondances qui ne sont pas prévues. Peut-être que vous ne vous attendez pas à ce que vous allez recevoir comme message en ce mois de février 2021. Ouais. Parce que peut-être c'est arrivé lentement. Alors peut-être que quelqu'un vous a envoyé un message d'un lieu assez loin de vous. C'est arrivé tellement lentement que vous avez peut-être oublié tout simplement que ce courrier, que ce message devait arriver. Et du coup, ça arrive un peu comme un imprévu. On vous dit d'écouter vos amis. Alors, pour certains aussi, donc s'il s'agit de contrats, peut-être que c'est un contrat que vous n'aviez peut-être pas prévu d'avoir, peut-être que c'est des signatures qui n'étaient peut-être pas prévues. En tout cas, c'est arrivé à vous assez lentement,
peut-être qu'il va falloir, voilà, s'éloigner. Alors, j'entends aussi le fait de s'éloigner lentement. Peut-être que certains n'avaient pas forcément prévu de déménager pour un travail, peut-être aussi. Et on y va peut-être en traînant un peu les pieds parce que, bon, on a envie de ce boulot, mais au final, on n'avait pas forcément envie de s'en aller de là où on était. Hein. Et on vous dit pour certains d'écouter vos amis. Peut-être que vos amis ont des bons conseils. Les personnes qui sont proches de vous ont des conseils à vous donner et peut-être que... il faut les écouter. Il faut les écouter parce qu'en fait, ça va vous apporter vraiment des contrats, ça va vous apporter des signatures, ça va vous apporter vraiment du positif parce que j'ai la carte du soleil et la corne d'abondance juste derrière. Donc, peut-être qu'ils vont vous donner des conseils pour suivre pour signer peut-être tel ou tel contrat parce qu'ils savent que ça va être bon pour vous. Peut-être que, voilà, le fait de signer aussi des contrats pour ceux qui étaient à la recherche d'emploi, tout simplement, c'est peut-être un contrat que vous avez trouvé aussi par le biais d'amis, hein, parce que vous les avez écoutés, ils vous ont dit, bah tiens, ils cherchent du monde à tel endroit, essaye de postuler peut-être, parce que je sais que c'est dans tes compétences. Vous les avez écoutés, et bah maintenant, vous allez signer le contrat, et puis ça va vous apporter vraiment quelque chose de lumineux, et puis ça va vous apporter aussi une rentrée financière assez conséquente, puisque un salaire tombera en fait tous les mois. C'est pour ça aussi tout à l'heure qu'on vous disait avec le tarot des anges, soyez patient parce qu'avec l'escargot, j'ai peut-être les choses qui arrivent lentement. Ça arrive, ce n'est pas bloqué. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, mais ça avance, mais très lentement. Alors maintenant, je vais aller avec l'émission de vie d'Isabelle Serre pour voir sur le côté professionnel des balances février 2021. Signe lunaire, signe solaire, ascendant. Quels sont les messages pour les balances? Alors, on vous dit le savant. Bon, en effet, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je ressentais la carte là avec le livre, c'est qu'il y a peut-être un savoir à acquérir pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Soit pour évoluer dans votre entreprise si vous êtes déjà en entreprise, soit pour acquérir un nouveau métier si vous êtes en recherche d'emploi, soit pour changer de poste aussi si vous voulez changer de poste au niveau de votre entreprise, soit si vous voulez faire une reconversion, on vous dit qu'il y a des choses à savoir peut-être avant. Hein. Voilà, alors les balances, pour vous, si les choses sont peut-être un petit peu figées au niveau professionnel, pour certains balances, c'est qu'on vous dit qu'il y a peut-être... qu'il y a peut-être un certain manque d'ancrage pour vous les balances. Alors, il faut peut-être penser à... Alors, j'ai plusieurs messages. Soit pour ceux qui y croient, la méditation et tout ça, peut-être faire de la méditation d'ancrage que vous trouverez aussi en vidéo sur YouTube pour pouvoir vous ancrer. Vous pouvez utiliser des pierres rouges et noires aussi pour vous aider à vous ancrer en les portant sur vous. Ou méditer avec les pierres aussi. Et le manque d'ancrage aussi, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui courent tout le temps à droite, à gauche, au niveau professionnel, j'entends. Et on vous dit peut-être, bah, arrêtez de courir un peu partout, parce que pour l'instant, vous manquez d'ancrage. On vous dit bah, que vous jetez pas l'ancre un peu quelque part, et peut-être que certains, à courir à droite, à gauche, passent peut-être à côté d'opportunités professionnelles. Oui, parce que peut-être certains sont un peu trop rêveurs. Peut-être que certains sont un petit peu la tête dans les nuages. Du coup, bah, vous manquez d'ancrage parce que vous êtes un petit peu trop dans le côté mental. J'entends, parce que le rêve, c'est aussi dans la tête que ça se passe. Donc, peut-être que certains sont trop dans le mental, dans le rêve, et ne sont pas assez dans le côté un peu terrestre, terre à terre, et n'ont pas un peu les pieds sur terre. C'est pas forcément péjoratif, hein, c'est pas négatif. Hein. Voilà, mais
C'est vrai que des fois, quand les situations sont un petit peu compliquées, un peu difficiles, on a envie de s'évader un petit peu en imaginant une vie un peu meilleure. Et puis du coup, ben, on est un peu trop dans nos rêves quand on idéalise un travail. Et puis du coup, ben, on manque d'ancrage, tout simplement. Peut-être aussi que certains, tout simplement, rêvent d'un poste, rêvent d'un emploi, rêvent d'exercer un certain métier. Et on vous dit, ben, peut-être arrêtez de le rêver. Passez par la case du savoir pour apprendre ce métier et vous pourrez enfin vous ancrer dans votre vie professionnelle. Alors, peut-être que certains vont trouver un travail dans le domaine du commerce ou ouvrir votre propre commerce aussi, hein. Et j'ai des événements imprévus et un défi qui arrive. Donc, les événements imprévus, peut-être qu'au niveau professionnel, pour vous les balances, il va y avoir quelque chose, donc, certes, qui n'est pas prévu, mais qui va pas falloir prendre, je pense, comme un obstacle. Vous allez peut-être avoir tendance à vous dire, eh ben voilà, encore un obstacle, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Alors, surtout pas, on reste positif déjà d'une, vous allez y arriver, vous avez les ressources en vous, vous êtes capable, ça j'en suis certaine. Et prenez-le plutôt comme un défi plutôt que comme un obstacle. Parce que, en fait, quand on a réussi à arriver au bout d'un défi, on a une certaine fierté en soi après. Et ben, vous serez fier de vous après quand vous aurez réussi à surmonter le défi qui va vous arriver au niveau professionnel. Ça peut être pour certains, vous n'avez jamais géré une équipe et puis là, ben, d'un seul coup, la direction vous dit « Ah bah tiens, tu vas gérer telle équipe » et c'était pas prévu. Du coup, ne prenez pas ça comme un obstacle en vous disant, ben, ils essayent peut-être de me piéger, ils essayent peut-être de me la faire à l'envers. Non, non, en fait, prenez ça comme un défi et puis montrez que vous avez le cran et les tripes de le faire, quoi. C'est un exemple, hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Et vous mettez à votre situation aussi cet exemple. Alors, je vais enfin aller voir du côté sentimental pour vous les balances pour ce mois de février 2021. Quels sont les messages ou le message balance. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Les balances, je viens juste d'avoir les yeux qui se sont levés sur la pendule. Il est 11h11. Le 1, c'est le début de quelque chose. C'est un commencement et en plus, il apparaît 4 fois dans 11h11. Donc, les balances, c'est peut-être un signe pour vous que les choses vont bouger, que vous allez arriver dans un renouveau en ce mois de février 2021, quel que soit le domaine. Et puis, je parlais du professionnel éventuellement. Donc, il y a peut-être des balances ici qui vont peut-être aussi avoir des opportunités professionnelles. Et on vous dit que c'est favorable, hein, avec 11h11, hein. Et quand je vois 11h11 aussi, on me dit « Fiez-vous à votre intuition ». Donc, pour ceux qui sont peut-être dans le domaine un petit peu spirituel, 11h11, on appelle ça les quatre piliers, en fait. Donc, c'est les quatre archanges qui vous protègent, c'est d'après mes souvenirs. Et donc, on vous dit, bah, quel que soit le domaine de votre vie, même si c'est aussi d'un point de vue spirituel, vous êtes protégés par les quatre piliers. Alors, pour les balances, il semblerait qu'il y ait une rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui pourrait être soit un nouvel amour. Ça peut être aussi amical, hein, parce qu'on est dans le côté sentimental. Vous pouvez aussi vous faire de nouveaux amis tout simplement pendant une rencontre lors d'une sortie, hein. Ah, ben voilà, j'ai encore les déplacements géographiques, hein, comme tout à l'heure. Donc, au niveau sentimental, c'est amitié, amour. Et on me parle à nouveau de distance géographique. J'avais la carte de distance tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Donc, oui, en effet, pour certains balances, j'ai l'impression qu'ils veulent insister sur le fait qu'il va y avoir peut-être une distance géographique à effectuer. Parce que peut-être que certains vont devoir, pour X ou Y raison, aller s'installer ailleurs, dans un autre lieu géographique. Et du coup, ben, peut-être que vous allez vous éloigner des personnes que vous aimez, mais vous pouvez aussi tout à fait vous rapprocher par amour ou par amitié de personnes que vous aimez aussi, hein.
il va y avoir peut-être aussi des déplacements à faire. Peut-être pour ceux qui vivent à distance, qui vivent l'amour à distance, vous allez peut-être en ce mois de février vous déplacer pour aller voir la personne de votre cœur. Pour certains balances, on me dit attention aux mensonges. Alors, soit c'est quelqu'un qui va ou qui vous a menti d'un point de vue sentimental, donc ça peut être amoureux ou familial ou ami, hein, à vous de voir ce qui vous parle. Mais on me dit aussi que peut-être vous aussi, vous vous mentez à vous-même. Peut-être, alors c'est un exemple, admettons une personne n'est pas bien forcément dans son couple et quelque part, ben, elle se met un masque, elle se voile la face en se disant ben, que les choses vont s'arranger, que les choses vont s'apaiser, le temps passe, rien ne s'améliore, rien ne change. Et quelque part, on se ment à soi-même en se disant, ben, parce qu'on a peut-être peur aussi de la décision qu'on pourrait prendre, on a peur de ce qui pourrait arriver après si on changeait la situation actuelle, parce qu'on reste peut-être un peu dans sa zone de confort tout simplement. Alors, j'ai des rencontres par synchronicité. Alors, bah en plus, voilà, je la pose sur les deux cartes, ça me parle encore plus. Donc, rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que l'univers ou ce en quoi vous croyez va mettre en place tout un cheminement d'événements qui vont vous diriger vers la personne que vous devez rencontrer. Alors, ça peut être, voilà, rencontre lors d'une sortie. Admettons que vous aviez quelque chose de prévu ce jour-là. Finalement, cette chose-là s'annule parce que bah, la personne, admettons que vous deviez voir, bah, un empêchement, elle est malade, j'en sais rien, elle peut pas venir. Vous prévoyez de faire autre chose. Du coup, vous sortez ailleurs, vous sortez dans un autre endroit et là, bah, vous rencontrez la personne qui vous est destinée et on appelle ça une synchronicité. C'est un cheminement d'événements qui aura fait que vous atteigniez enfin le but qui était réservé pour vous. Après, au niveau de déplacement et distance géographique, au niveau de déplacement, j'entends aussi que ça peut être une synchronicité. Hein. Peut-être que ce jour-là, vous deviez rester au bureau, faire de la paperasse, j'en sais rien. Votre patron vous dit, ben finalement, aujourd'hui, tu vas aller en déplacement, tu vas aller à telle ville parce que y a des collaborateurs à rencontrer, j'en sais rien. Voilà, il y a des personnes à rencontrer. Et puis, ben, il suffit que dans le groupe de personnes que vous devez rencontrer au final, et ben, y ait la personne que vous deviez rencontrer tout simplement. Donc, ouais, c'est peut-être voilà, rencontre par synchronicité. Ce sont des exemples hein, que je vous donne. C'est pas parce que je dis que ça va arriver comme ça que ça va arriver comme ça. C'est juste pour vous dire un petit peu, pour vous expliquer un peu ce qu'est exactement une rencontre par synchronicité. Et on me parle d'âme sœur spirituelle. Il y en a beaucoup de signes, là, ce mois-ci, en février, qui vont rencontrer leur âme sœur spirituelle. Alors, on me dit âme sœur spirituelle. Donc, peut-être voilà que ces synchronicités vont faire en sorte que vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle. Peut-être que vous allez la rencontrer lors d'un déplacement, lors d'une sortie, à vous de voir hein, exactement. Toujours est-il que soit c'est d'un point de vue amoureux et la personne qui est faite pour vous, c'est aussi une âme sœur spirituelle parce que vous vibrez sur la même fréquence, parce que vous êtes, comment dirais-je, vous voyez la vie exactement de la même façon. Enfin, c'est vraiment, c'est au-delà du physique, c'est au-delà du... C'est vraiment vos âmes qui sont vraiment attirées l'une vers l'autre. Hein. Mais ça peut être tout aussi bien en amitié comme en rencontre professionnelle. Hein. Ça peut être une personne avec qui vous allez travailler. Ça peut être une personne avec qui vous allez être ami aussi. Hein. Voilà, c'est assez vaste aussi. Hein. Voilà les balances. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura guidé, qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite un très bon mois de février 2021 et je vous dis à très bientôt. Merci.